Salut tous, c'est Nune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Spider-Man. Ah, tu restes tranquille. Aujourd'hui, les gars, c'est le troisième épisode de Je trouve des véhicules abandonnés. Alors, souvenez-vous, dans les deux derniers épisodes, on a trouvé une Bugatti de police, on a trouvé une Lamborghini. Et du coup, cette fois-ci, j'ai un peu vu avec mon assistante. Et c'est vrai que, on va dire que là, elle m'a trouvé des endroits un peu suspects, des endroits un peu chelous. Et disons que, franchement, les gars, il y a des véhicules des fois qui font assez peur. Donc, c'est parti, on va aller prendre notre petite tenue de dépannage. Hop, comme ça, hop, on va dépanner. Et on va aller tout simplement rechercher des magnifiques véhicules et pourquoi pas trouver un véhicule rare. On va voir ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on va trouver. J'espère trouver quelque chose de stylé, ouais, genre une voiture bien. Et du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre véhicule, bah, je sais pas, si vous voulez une Ferrari, si vous voulez ce que vous voulez dans les commentaires, c'est à vous de choisir. Et du coup, c'est parti, let's go pour la vidéo. Ok, du coup, les gars, on est au garage tranquillement. Et bah, souvenez-vous, dans ce petit garage, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Eh bien, on avait trouvé une Lamborghini et une Bugatti et Chiron. Donc, je les ai pas vendus, je les ai gardés. Et bah, du coup, ce qui est pas mal, les gars, c'est qu'on a quoi? C'est qu'on a acheté une dépanneuse en plus. Donc, là, j'ai acheté une dépanneuse, une deuxième, au cas où, bah, simplement, on a des soucis ou on a des problèmes, etc. Je me suis acheté une petite dépanneuse en plus. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, voilà, j'avais le budget avec ce qu'on a trouvé. Je veux dire, c'est pas mal. Eh bien, du coup, let's go. C'est parti, le dépanneur. On a une voiture en panne à remarquer un boulot, apparemment. Allez chercher le véhicule en panne. Ok, eh bien, forcément, on commence toujours par une petite mission tranquille. Ouh là là, on est 2 km, les gars. On commence toujours par une petite mission assez sympathique. Appuyez sur B pour cibler la cible, ok. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même un véhicule... Ah non, en fait, il est juste ici, d'accord. Bonjour, hey, salut. Et c'est le propriétaire monté. Ah ouais, d'accord, le... Bah, tu sais quoi, on va aller faire un footing, les gars. Regardez, les gars, on va aller faire un footing, les gars. C'est stylé. Oh, il y a le train. Oh, j'aurais pu le faire écraser avec le train, lui. Allez. Alouette, j'ai envie de dire, alouette. Allez, allez, en courant. Eh? Oh. Attends, c'est moi où il vient de se téléporter dans la voiture? D'accord, ok. Eh bien, ok, le gars s'est téléporté dans la voiture, pourquoi pas? Bon, on va prendre sa voiture. Alors, c'est quoi comme voiture qu'il a? Il a une petite voiture assez tranquille, ok. Bon, ça va. Franchement, oh, c'est une Audi? Non, c'est une Obey, ouais, c'est une Audi Obey, on va dire. Bah franchement, par rapport à avant, par rapport à du coup ce qu'on a eu auparavant, les voitures dégueulasses, je crois que c'est le véhicule de PNJ le plus cher qu'on ait eu. Mais après bon, encore une fois, je rappelle, nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment trouver des véhicules rares. Sachant que là, le prochain véhicule, c'est dans un endroit assez bizarre. Oh, il y a encore le flic avec les jumelles. D'accord, en fait, à chaque fois que je vais faire une vidéo, il y a des flics avec des jumelles... aux cannes qui prennent les gens, quoi. C'est à dire que ce sera tout le temps comme ça, quoi. En tout cas, ce que j'ai hâte de voir, les gars, c'est le prochain véhicule. Waouh, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir, les gars? Est-ce qu'il va tenir? Franchement, là, je vais à fond. Hein. J'ai envie de tester un truc, mais vas-y, tu sais quoi? Non, je n'arrive plus à ralentir. Ah, bon, en fait, faut pas y aller à fond. Voilà. Bon, on va rouler doucement, parce que sinon, après, ça va être la galère. Allez, doucement. Ouh là là, par contre, il fait comme comme l'autre voiture, là. Ah ouais. Je vais faire un accident, les gars, là. Ok, eh bien, écoutez, premier véhicule livré. Oh, tu t'écartes. Et voilà. Ok les gars, du coup c'est parti, cette fois-ci on va essayer de trouver le véhicule rare. Alors elle m'a dit que c'était ici. Donc c'est là, là, c'est Human Lab les gars, oh shit. C'est le quartier là, c'est Human Lab. Mais par contre le Human Lab, c'est vrai que bon, on sait pas trop ce qui se tracasse là-dedans. Il y a des singes, c'est vraiment assez bizarre. Bah, c'est un labo, c'est un laboratoire. Donc dans ce genre de laboratoire, on peut trouver des véhicules parfois assez bizarres. Par contre, faut pas que je fasse d'accident. C'est vrai que voilà, le Human Labs, pour ceux qui s'y connaissent un peu sur GTA, bah voilà, vous avez les singes, vous avez des trucs bizarres dedans. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'intérieur du Human Lab. On est juste à côté, les gars.
Ici Central répondait. Ouais, bah non, on va pas répondre en fait. Pour accepter un boulot, non, non, on veut pas de boulot. Là, on est parti sur un véhicule assez chelou. On est au Human Lab. Il y a des gens qui ressortent en plus dedans. Ok. Ok, les gars, on arrive à côté. On arrive à côté. On va se garer. Ok, du coup, il y a des gardes. Bonjour. On n'a pas envie de bosser aujourd'hui ici, j'ai envie de bosser. Bonjour monsieur. Garde du corps. Merci, je suis juste dépanneur. On va regarder ici s'il n'y a pas un petit truc dans ce parking. Voilà, après le Human Lab, voilà, il y a les travailleurs qui travaillent actuellement. Ok, ici il n'y a rien de particulier. Bah, elle m'a dit que c'était au Human Lab la secrétaire. Donc bonsoir. Ah ouais, il y a des gens et tout. Bon, par contre, voilà, on a un dépanneur. Je le rappelle qu'on a un dépanneur. Ici, Central qui est à l'écoute. Je ne suis pas à l'écoute, moi. Je suis en train de... Oh, là-bas, c'est quoi, ça? What the fuck? What the fuck? C'est quoi, ça, les gars? Pourquoi il y a des morts, ici? Attends, 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 regardez. Oh, ils sont tout cramés. Oh my god, c'est quoi ce véhicule du futur là? Non mais il s'est passé quelque chose ici les gars. Dans ce labo il s'est passé quelque chose. On a un mort encore ici. Regardez-moi ça. What is this shit? Non mais regardez, c'est quoi ce logo là? Oh my god. Alors j'ai hâte de te réparer ça et le tester. Par contre je sais pas si mes ingénieurs vont pouvoir le réparer, si mes mécanos vont pouvoir le faire. Et déjà je sais même pas si on peut le transporter quoi en fait. Carrément on peut, je sais même pas si on peut le transporter. Allez. Ok. Allez, descend. Ah si 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 si. Attendez. Ouais, par contre, il y a des... Ok. Ok, c'est bon. Oh my god, les gars. Oh ouais, mais ça va être galère. Oh ouais, ça va être galère à transporter. C'est une fusée? C'est un avion? C'est quoi? Ça vole, ce truc? Parce qu'il y a des ailes. Franchement, dans les commentaires, dites-moi. Pour l'instant, ça vous fait penser à quoi, les gars? Mais c'est vrai que là... ça m'a l'air quand même d'être un véhicule qui vient du futur. Et on a récupéré ça dans un labo. Bon, est-ce qu'on peut ressortir sans que le garde nous dise quelque chose? Ouais, c'est bon. Le garde, il dit rien. Le garde, il dit rien. En même temps, on est dépanneur, quoi. Alors là, franchement, on a eu une Bugatti, on a eu une Lambo. Mais je dois vous avouer que là, c'est quand même assez... c'est quand même assez space, hein. Waouh, par contre, il part en freestyle total, les gars. Il part en freestyle total. Sachant qu'on doit aller... Oh, LS Custom. Il s'entrale en bébé, personne n'entend. Bah ouais, on t'entend pas, mec. Laisse-nous tranquille. On est en train de. D'essayer de livrer ça, là. Ok, les gars. On arrive actuellement au LS Custom. Chez notre mécanicien, les gars. On va essayer de réparer cette. Je sais même pas si c'est cette ou ce spécimen. Mais en tout cas, hop. Hop. Voilà. On le met ici. Nous, on va se garer juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a quand même un truc assez futuriste. Hein. Je sais pas si ça vole ou quoi, mais franchement, déjà avec les ailes, ça me fait peur. Bon, bah écoutez, on va rentrer ça au LS Custom et on va voir si ça marche et qu'est-ce que c'est surtout. Ok, alors je m'attendais pas du tout à ça. Wesh, ça vole, les gars, regardez. C'est en train de voler, les gars. C'est, ça vole, oui, 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 ça vole, ça vole, ça vole. Ok, blindage à fond, c'est parti. Frein, on fait à fond, moteur à fond. Échappement. On peut changer l'échappement, et c'est pas mal, ça. Bon, on va mettre lui. Lui, il est pas mal. Pare-choc. Non, calandre, on s'en fout. Capot. En fait, je crois que c'est... En fait, je crois qu'il faut mettre série. Ah ouais, de qui j'ai compris. C'est pas les bons trucs. D'accord, ok. Faut pas modifier, faut juste toucher l'éclairage et tout. Alors éclairage à la limite, ouais. Phare xénon. Support néon, ça on peut mettre, ouais. On peut mettre en bleu un peu bleu électrique, hein, ouais.
Est-ce qu'on peut changer la couleur? Peinture. Non. Non, c'est que la finition est encore. On peut même pas changer. D'accord, ok. Au niveau de la couleur, c'est bon. Au niveau de la finition, c'est bon. Bas de caisse, bah non. Aileron, non. Transmission, là, ouais, on peut mettre transmission de course. Turbo, bah forcément, je veux dire. Roue. Alors, type de roue, non, bah non, on peut pas changer les roues. Je veux dire, c'est un véhicule du futur, donc. Et les vitres, on peut pas changer aussi. D'accord, donc là, on vient littéralement de modifier ce véhicule. On va sortir. Ça vole. Oh my god, ça vole. Ah, là, ça vole plus du coup. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Donc en fait, ça va dans le sol, on peut rouler sur le sol. Donc là, je vole pas. Là, je vole pas, je suis en mode sol. Et là, je suis en mode vol. Ah ouais, c'est magnifique. Abusé. Abusé, les gars, c'est un véhicule du futur. Les gars, juste pour ça, un petit like. Mais attendez, on peut survoler la prison et tout. Juste pour ça, les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et dites-moi aussi dans les commentaires bah, quel véhicule vous voulez voir pour le prochain. Bah, le prochain épisode, j'ai envie de dire. Mais là, on a fait fort. Hein. Là, on a, là, franchement, notre garage va s'améliorer. Mais par contre, je sais pas comment je vais faire pour garer ça. Là, je pourrais pas le garer là, je pense. Hein. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a de la place pour le garer ici? Ouais, je pense qu'on peut le garer là, en fait. Si, on peut le garer là. Hop, je vais le mettre en mode vol. Voilà. Ah ouais, non, mais là, ça commence à devenir cheaté. Non, je vais pas le coller. En fait, je vais le mettre juste ici. Par contre, ce qui pose problème, les gars, dans le futur, ou alors je le... Non, vous savez quoi, les gars? Ça, c'est classe. Regardez, je vais le poser. Vous allez me dire, ouais, une unité, t'es pas bête. Ce genre de véhicule, ça se gare là, les gars. Ben, forcément, je veux dire... Là. Ah, attendez. Ouais, parce que je suis pas non plus le meilleur pilote du monde. Hein. Ce genre de véhicule, ça se gare ici. Genre en présentation. Voilà. Là, on est bien. Magnifique. Là, on est carré. Ok. Et bah, du coup, regardez. Là, ça fait vraiment stylé. Ça fait vraiment garage qui vient du futur. Là, on est bien. Hein. On est max à mort. Ok, et bien voilà, du coup les gars, ce troisième véhicule, donc c'est vraiment un véhicule qui vient du futur, donc qui vole. Wow, il a failli se dégommer. On a notre petite Bugatti, tranquillement. On a, on a la Lamborghini. Et on a ce véhicule, alors faut le trouver un nom, je sais pas comment je vais l'appeler. Volatus, tiens, Volatus c'est un beau nom. On a vraiment, en fait il n'y a rien de space, hein, c'est juste un volant. Le moteur il est derrière. Je regarde comment c'est. Quand tu montes dedans et tout. Vous voyez. Hop. Et tu te poses comme ça. D'accord. Voilà, voilà. Ok, bah c'était notre troisième trouvaille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez devenir membre et jouer avec nous sur PlayStation 5 et PS4, n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Link en description.